Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau SP sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve donc dans Insomnia. On doit détruire encore 6 amplificateurs, donc on en a pour un petit moment. Ah, j'ai raté. Non, j'ai encore raté, c'est ça que je veux détruire. Ah putain, c'est chiant. Ils veulent forcément que je tue les mecs. Voilà, nickel. Allez, on continue. Et il y en a un paquet des bannières. Bon, j'ai pas m'amuser par contre à récupérer la totalité des objets présents sur la map. Hein. Si j'en ai sur mon passage, je les prends. Mais on va pas tout prendre quoi. Tiens, est-ce que je peux descendre? Non. Ok, bah vous savez quoi, je vais aller à celle qu'il y a là-bas. En fait, c'est génial, il suffit de les prendre dans le dos. Et en les prenant dans le dos, on peut les démoniser plus rapidement. Ah ouais, d'accord, pas mal. Ils arrivent, les petits. Est-ce que j'ai gagné pas mal de points de compétences? Ah ben oui! Parfait! Allez, on continue. Et on va devoir attaquer à faire le gardien. Ok, donc en plus du gardien, on a quand même quelques petits lucidiens. Allez, bim, 3 d'un coup, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tiens, la caméra c'est chaud quand même. Et ouais, je m'en doutais qu'il n'allait pas tarder à la faire, mais bon, de toute façon, elle tient pas beaucoup sa barrière. Allez, et voilà, bah celui-là je l'aurais plus vite enquillé. Hein. Faut dire, s'ils ont fait les mêmes à chaque fois, bah, une fois qu'on a compris le principe, c'est facile de les battre. Allez, du coup, deuxième secteur réussi. Voilà, parfait.
Ok, on continue. Je vais vérifier si je peux acheter une compétence. Voilà. Ça va aller vider l'arbre de compétences, je vous le dis moi. Et bim. Si on va aller à celui-là, puisqu'il est juste à côté. Bon, au final, vous voyez, bon. C'est bien d'avoir la main en boucle, mais en dehors de ça, franchement, j'aime bien. Le fait d'avoir... bon après c'est sûr, finalement je pense que c'est la même zone que dans la version FF15 originale. Sauf que bon, par contre cette version, elle est différente dans le sens où Insomnia est encore debout. Et en plus on peut aller sur les toits, chose que je trouve plutôt sympa. Franchement ça change. Et le gameplay franchement d'Arjun, il est vraiment excellent. Franchement je vous le conseille ne serait-ce que pour ça. C'est vraiment un gameplay qui est super bien pensé, le fait qu'il puisse se servir comme ça du côté démon à fond. Regardez ça, je peux switcher, mais un truc de malade. Gardien quoi? Gardien démoniaque, c'est ça? Ok. Je vais dans le coup, hein. Cher collègue. Ça y est, je l'ai eu. Maintenant, je l'ai. Magnifique. Et un secteur de plus. Ok, je vais aller... Ah ouais, il y a pas mal de points d'intérêt ici. Je vais aller à celui-là. Et après, on partira à ceux vers la citadelle. Ah mince, j'ai capté. Ah,
ちょっと王様を殺してくるよ。何？作戦と違うぞ。まあいいじゃない、楽しく行こうよ。こちらは？そっちは予定通りでいい。しっかり軍を引きつけておいてよ。さてソビウスの子を殺しに行くか。Il vient de capter en fait que... Le ça devenait beige comme s'il y avait une tapette de sable. En fait, je pense qu'en désactivant les amplificateurs, ça fout ce temps pourri en fait, parce que du coup les tempêtes peuvent passer à travers le mur et ça donne cet aspect méga couvert. Bon, on va aller sur celui-là. C'est pas le même. Intéressant. Parce que le problème c'est que... Ah mais attendez, je suis bête. Pour les apathies frites, ça devrait faciliter un peu. Magnifique. C'est de plus en plus orange. Et du coup de moins en moins bois directement. Everybody 300 mètres, 200 mètres. Now you're messing with a man who's obsessed with his vengeance. That's only better than what's really
Ah, et mon niveau il augmente, hein. Je suis niveau 38. J'étais niveau 23 tout à l'heure, donc bon, forcément ça augmente beaucoup plus vite que la normale, mais ça augmente pas. On va voir les points de compétence, et ouais, forcément. Allez. Ah, c'est exactement la même qu'il y a 2 minutes. Bon, après, c'est optionnel. Est-ce que je fais de... détruire tous les amplificateurs, je sais pas si ça va servir à quelque chose, probablement peut-être pour des trophées, ça il y a des chances, mais c'est complètement optionnel, ce n'est vraiment pas obligatoire de les faire, il faut en faire que 3 là, vous voyez, il faut que j'aille à la citadelle normalement, mais bon, en y allant, autant les faire, on sait jamais ce qui peut se passer, puis ça me permet de grappiller quelques niveaux et ça pourra peut-être me faciliter la vie pour le boss de fin de DLC. Parce que je pas facile celle-là d'attaquer de dos. Bon, après je lui fais pas mal de dégâts quand même. Une de plus. Là c'est marrant, les deux elles sont face à face. Après je pense que moi hors caméra tout seul pour le plaisir je compléterai la map, mais là c'est pas nécessaire. Faites voir alors, équipement, Ifrit, c'est bien ce que je pensais. Normalement j'en ai une nouvelle, pourquoi? Alors là par contre oui, j'en ai une nouvelle. Visiblement pas, alors c'est bizarre puisque là il y a marqué invoquer un... ah mais non, d'accord, je me suis trompé en fait. Donc il faut haut pour l'invoquer. Ok, ce que je voulais en fait c'est ici, et ouais voilà. Ça coûte 16, ok. Bon, ça va. Je devrais vite l'avoir. Ah ! C'était pas terminé. Ah !
Hop là, parfait, j'ai ce qu'il me faut. Nouvelle attaque. Oh, magnifique. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Je l'ai niqué. On peut zoomer autant. Ça y est, non. Je les ai dessus ou pas? Non. Putain, mais ça n'arrête plus d'apparaître. C'est bon. Ok, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on s'occupera des deux dernières tours qui sont par là-bas. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et commenter et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et moi je vous dis à demain, bye bye.